Je suis Arnaud Gazagne, je suis marié avec Céline depuis 11 ans. Je suis sur l'ensemble paroissial Notre-Dame du Point du Jour, Saint-Anne-de-Ménival et Saint-Joseph de la Demi-Lune. Je suis membre de l'EAP, je suis aussi membre de la préparation au mariage avec mon épouse Céline. Et je suis aussi animateur de vie spirituelle du groupe scout et guide de France rattaché à la paroisse. Un événement non, mais c'est le fruit de toutes ces rencontres avec les personnes avec, qui ont fortifié ma foi. Alors déjà avec le mouvement scout, où je suis moi-même depuis que je suis jeune. Voilà, ça a fortifié ma foi, ça m'a fait permettre des rencontres donc avec les jeunes du groupe, mais aussi avec d'autres personnes. Avec la fête de la lumière de Bethléem, par exemple, on va rencontrer des personnes âgées dans les hospices. Donc c'est tout ce tissu fraternel, associatif, qui ont nourri ma foi. Alors j'ai été appelé par mon curé. Il voulait que je sois présence d'église dans mon travail, que je sois non seulement parole et parabole. Et il m'a expliqué qu'en fait être diacre, c'est être pareil mais en mieux. On est parti avec Céline en se disant c'est un cadeau pour notre couple. Ce parcours de formation, ça m'a permis de bien asseoir ma foi. On n'attend pas de nous de faire un travail universitaire, mais de nous poser, de nous dire comment ça vous parle. Et c'est vraiment pour nous permettre d'intérioriser notre foi et de l'asseoir avec le regard bienveillant de nos accompagnateurs, de nos tuteurs, de nos formateurs. Dans cette formation, on a beaucoup insisté sur le fait qu'on ne devait pas être des sachants, mais des étants. Et donc on a beau avoir cette formation profonde, solide, etc., on nous demande quand même d'être avant tout artisans de paix. Artisans de paix et faire le lien entre les gens de la paroisse, dans le monde. Ce qui me touche beaucoup en fait dans ma foi, c'est cette croix réductionnaire où il y a un axe vertical et un axe horizontal. Pour moi, ma foi, elle est doublée. Il y a cet axe vertical qui relie Dieu avec moi, avec chaque homme, et cet axe horizontal qui relie donc chaque homme à tous les autres hommes. Et c'est pour moi, il peut pas y avoir séparation des deux. On peut pas être que avec Dieu ou qu'avec les hommes quand on essaye d'avoir une vie de foi. Ils ont tous été très heureux. C'était toujours des messages heureux qui m'ont été transmis.